Les paysans français s'adaptent et pratiquent les nouvelles technologies dans leurs exploitations. Depuis quelques années, des producteurs ont décidé de se lancer sur Internet. Le mouvement est là, prêt à s'étendre. David et Aurore Perel sont producteurs de fruits et légumes dans la région lyonnaise. Ils se sont engagés dans cette voie depuis un an et demi. Chaque début de semaine, on envoie à nos clients cette feuille de commande en pièces jointes par mail. Ils complètent ce qu'ils veulent et ils nous la renvoient dans la semaine. Parfois, on met des petits messages quand c'est le début des fraises, les asperges, etc. Et ils sont livrés le vendredi soir. Gain de temps, meilleure marge, pour David Perel, la vente sur Internet présente de nombreux avantages. Internet, ça nous a permis de toucher des clients de Lyon qui viennent travailler dans la banlieue, qui ne seraient jamais venus au magasin. Bah, on est tributaire de personne et on valorise nos produits. Et nous, les petits producteurs, on a une carte à jouer et grâce à la vente par Internet, on a des parts de marché à récupérer. Grâce aux nouvelles technologies, les producteurs renforcent leur proximité auprès des consommateurs locaux. Là, on peut livrer les commandes Internet. Dans ce contexte, le consommateur y trouve son intérêt. Les aubergines, d'accord, vous pouvez faire bien. Parfait, merci beaucoup. La commande par Internet pour les fruits et légumes, ça m'apporte plus de gain de temps. Je sais qu'il arrive à telle heure, donc je peux les récupérer. Et puis, c'est des légumes frais. En fait, c'est ce qui m'intéresse, des légumes frais et de saison. La vente par Internet, ça permet de se faire une clientèle rapidement, sans trop d'investissement. Les livraisons par Internet, c'est qu'un début et il y a un gros potentiel. De mail en clic, nous allons passer à une nouvelle ère porteuse d'espoir. Je confirme.